Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 pour Minecraft sur ma map Escarpée. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas vraiment joué à Minecraft, puisque je suis pas mal à fond sur les royaumes d'Amalur en ce moment. Et puis là, j'avais un petit coup de nostalgie, je me suis dit, tiens, allez, je vais refaire un tour. Et j'ai décidé de visiter un peu la map pour voir s'il y avait des endroits qui m'intéressaient. Et j'ai vraiment voyagé très, 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 très loin. Et au final, à force de tourner en rond comme d'hab et puis de me voyager, je suis tombé sur un autre village PNJ qui, celui-là, est beaucoup plus grand puisque vous voyez que j'ai établi mon quartier ici. Donc j'ai déménagé de mon ancien village PNJ. Ce qui est bien, c'est que ce village PNJ, juste à côté du désert, où il y a un temple du désert, et donc je voulais le faire avec vous. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il y a beaucoup de champs. Alors, il y avait principalement du blé, mais il y avait aussi des pommes de terre. Donc, du coup, j'en ai profité pour aménager un peu, pour avoir le plus possible de bouffe, parce que la bouffe baisse assez vite. Là, les pommes de terre, mine de rien, ça pousse assez vite. C'était vraiment le bordel, donc j'ai un petit peu aménagé pour que ce soit plus pratique pour se déplacer. Donc, je vous montre, ça c'est une maison. Il y a pas mal de villageois. Hein. Donc, voilà encore un autre champ de patates. Et ça, c'était un champ aussi de patates, mais. Bah oui, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait là. Voilà. C'est un autre champ de patates ici, mais j'ai mis du blé. Parce que pas très loin, il y a un endroit qui a l'air assez sympa. Il y a pas mal de moutons et pas mal de poules. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait moutons, poules et autre chose. Je me suis dit, tiens, bah, je suis con, c'est de ce côté. C'est de ce côté-là. Donc voilà, donc j'ai torché pas mal, hein, vous voyez, j'ai mis plein de torches pour être assez tranquille avec les monstres. Donc voilà, alors je ne suis pas si loin que ça du premier village PNJ, honnêtement. Donc je prends peut-être, on va dire, entre 8 et 9 minutes. C'est pas non plus énorme, sachant que bon, comme c'est très escarpé, c'est vrai que c'est assez difficile pour s'orienter et puis pour bouger. Donc je pense qu'à long terme, je ferais peut-être un système de rails pour aller plus vite d'un village à un autre, même si bon, ça m'intéresse pas forcément, sauf si je veux faire du commerce avec les autres villes, les autres PNJ. Alors j'ai dû faire du coup en plus deux allers-retours, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai plein de, enfin bon, j'ai tout repris de, enfin tout, il en reste encore quelques-uns, quelques éléments dans l'ancien village PNJ, mais honnêtement, je m'en fous complètement, puisque c'était pas des trucs forcément très très importants. Voilà, donc je suis en train de faire des escaliers pour pouvoir y aller tranquillement, alors faudra surtout pas. Parce que je suis mort comme une merde en plus. Alors, ah bah c'est nickel. Non, c'est pourri. Oula. Bandicam n'aime pas trop. En plus, il faut dire que là, je filme. Hein, il est 22h et il a fait 30 degrés toute la journée. Donc c'est pour ça que j'attendais un petit peu le soir pour. Oh non, je crois que ma pioche, elle va casser. Oh non, sérieusement. Ouf, voilà, alors. Qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Ok. Voir ce qu'il y a dans ce coffre-là. Oh, deuxièmement. Et je vais mettre un truc comme ça. Voilà. Bien sûr. Voilà. Donc, ok, coffre. Oh, protection contre les explosions. 4. Butin 3. Ah, c'est intéressant ça. Oh, une selle, j'en ai déjà une. Et puis de l'or. Ouais, bon. Bon, c'est mieux que rien. On va pas se plaindre. Ah, et puis je voulais faire un truc quand même. TNT, je me dis, on sait jamais si un jour je veux terraformer, parce qu'il va falloir que je terraforme à mort hein, sur cette map. Donc le jour où je veux terraformer à mort, eh ben, j'ai la TNT, voilà. Enfin voilà, donc je me suis pas mal baladé. Ça a été assez long et assez laborieux, mais au final, je suis content parce que j'ai trouvé un autre village PNJ et du coup, ça me rapproche de quelques endroits que j'ai vus qui ont l'air assez sympas et où je pense m'établir. Donc on verra bien. Putain, ma souris, hein, ça va être pénible là. Hein. Mais j'ai quand même envie de déménager assez rapidement parce que bon, enfin là je vais faire le plein un petit peu de pommes de terre grâce au village PNJ quand même. Comme ça je pourrais me faire un big champ de pommes de terre une fois que j'aurai trouvé l'endroit où je veux m'installer. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de bouger assez vite pour être assez tranquille. C'était pas un Enderman que j'ai vu? Ouais, vous voyez l'Enderman là? En haut à droite, je ferai un zoom je pense. Oh, les yeux c'est flippant, quelle horreur. C'est flippant. Il y a pas mal de PNJ quand même. Hein. Ah bah cassez-vous, d'accord, mais pourquoi il panique? Il y a des monstres. 17, ah, 17 diamants. 17 charbon, il me donne un émeraude. Ah, intéressant ça. 21 charbon. Oh bah t'es. Hey. Ah non, mais armurier. Oh!
Ah, d'accord! Ah, je connaissais pas ce système. Et donc, avec 4 émeraudes, ça me fait un casque en fer. Ah, c'est intéressant. Et là, forgeron outil. Ah, oh! Oh, 3 points. Oh, c'est génial ça! Alors, toi, tu me proposes quoi? Tanner, pourquoi faire? Oui, pantalon en cuir, ça m'intéresse pas trop. Ah, de la bouffe de zombie. Hein? Oui, bah, t'en donner de la bouffe de zombie, hein, plutôt donner des lingots d'or. Ah, le papier, ça peut donner un émeraude. Oh, bah, ça vaut le coup. Livre enchanté, infinité 1. Ah! Parce que le papier, il suffit de mettre de la canne à sucre, c'est bon, hein, franchement, c'est vachement facile à faire. Mais bon, ça, on en a vu tout à l'heure. Et lui, qu'est-ce qu'il me propose? Ah, non, c'est pas le même? Bah, j'ai pas fait tout le monde, là, c'est pas possible. Ah, et 35. Et là, protection 4. Oh, ça vaut le coup, ça. Ça vaut vachement le coup. Bon, après, il faut que j'ai une table d'enchantement. Mais bon, j'ai 2 diamants, donc à la limite. Oh, putain. C'est pas... Mais arrêtez de sortir, mais ils sont cons. Oh, ils sont vraiment cons. C'est vrai que j'ai pas mis énormément de torches ici. Mais enfin, là, c'est quand même encore abusé, hein. Non, mais... Oh! Non! Mais regardez d'où ils viennent! J'ai mis de la... Non, mais y a un truc, là. Y a un truc, c'est la pleine lune ou quoi? Oh, la vache! C'est violent! Mais c'est... Oh, putain! Du coup, ça a éclaté la maison! Merde! Merde! Et du coup, les PNJ, ils ont plus d'endroit où aller! Oh, vite, 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 vite! Alors, attends, je bouffe. Attends, pas de panique. Non! Je vais bouffer de la pomme de terre crue! Ben voilà, j'ai bien fait de filmer. Ça sentait encore le fail. Non, non, revenez, les cons! Revenez, les cons! Revenez! Mais ils viennent d'où les zombies là? Tiens, ils vont crever, non, ils vont crever quoi. Non, non, fous-lui la paix. Casse, fous-lui la paix. Revenez là les cons, revenez là. Oh là là, je flippe, merde, je flippe. Cassez-vous aussi, laissez-moi mettre la porte, bordel. Mais putain, mais casse-toi, cassez-vous les zombies là. Oh merde, bah il y en a un qui a été... Voilà. Il y en a un qui s'est fait... Punaise. Vite la porte. Putain, mais les raccourcis clavier, tu connais. Ah mais... Ah mais... Eh oh! Hein? Arrêtez de faire les cons un peu aussi. Allez, cassez-vous dans la maison, il y a une maison avec une porte là. Je vais tous les enfermer là-dedans parce que... Vous pouvez pas vous barrer. Ils viennent d'où? Ils venaient de là-bas les zombies. Hein. Ok, mais j'ai quand même mis des torches, ils viennent quand même ici, c'est abusé. Ah, oh, j'espère que ça m'a pas viré les PNJ qui m'intéressaient là, faudrait que je vérifie. Regardez, le biome désert. Je crève de chaud. Oh oui, biome désert, oui, monstre, au revoir. Ah! Je comprends pas comment ils ont pu se faire avoir. Vous pouvez arrêter de faire les cons, s'il vous plaît. Hein? Sérieux. Et en plus, ils sont chiants parce qu'il y a une porte. Voilà, il y a une porte ici que je vais tout de suite virer et que je vais boucher. Comme ça, vous allez arrêter de faire les débiles. Parce que vous me gonflez à faire les cons comme ça. Hein? Sérieusement, là. Vous n'avez pas intérêt à sortir, sinon je vous casse la... Oh putain, casse-toi! Merci. Voilà, comme ça vous ne penserez pas à faire le tour en mode on va aller par là. Non, non, faut pas aller par là. Donc tout le monde est dans la maison, là, c'est bon? Non, ils sont tous morts. Eh, mais vous pouvez pas vous casser dans la maison, s'il vous plaît. Allez, on va casser cette porte. De toute façon, il n'y a personne, ils ne peuvent pas y accéder. Mais au moins, ils feront pas chier. Ah oui, mais je comprends mieux pourquoi ils peuvent peut-être pas y aller. Son chien, voilà. Oh! Non mais alors là vous avez vu, c'est dégueulasse. Il a spawné où lui? Hein? On peut me dire où est-ce qu'il a spawné? J'ai mis des torches sur les toits exprès pour éviter que ça spawne en hauteur. Donc là, c'est abusé. Ah bah il vient peut-être de là, tout simplement. Voilà, tout simplement, il vient d'ici. Je transpire du coup. Mais non, mais non! Mais non, quoi, mais non! D'où il sort le creeper? Où est-ce qu'il a spawné? Il est où? Oh, il est là, ce con, il est là. Non. Oh, tu peux te casser! Merci. Il a spawné. Vous voyez, regardez, j'ai mis des torches partout, quoi. C'est juste abusé. Il a spawné vers là, en plus, hein. Le toit, je veux bien, mais franchement, non. Enfin, non, je veux pas, non. Non, non, c'est pas logique. Ah, là, par contre, c'est peut-être logique, ouais. Ah, ouais, peut-être ici, oui. Ouais, en hauteur, et puis après, il tombe comme des merdes, donc, ouais. Ah, ils viennent de là. Mais ils ont spawné là, tout simplement. Voilà, bah, j'en mets plein, écoutez, hein, tant pis. Ça peut peut-être paraître con, mais il vaut mieux en mettre trop que pas assez, c'est ma devise. Voilà. Ah oui, ils devaient spawner ici. Mais moi, alors, j'ai
Je crois que sur les escaliers, ils peuvent pas spawner. Mais dans le doute, hein, vous savez ce que je vais faire? Voilà, tout simplement. On va pas se faire emmerder par des zombies qui pop sur les toits, quoi. Pas que des zombies, d'ailleurs. Non, mais pourquoi ils rentrent pas aussi, les PNJ? Ils sont débiles! Ils sortent parce qu'il fait jour, oui, mais il y a des monstres. Soyez un peu logique dans vos tronches, quoi. Oh, je vais mettre... Ah, ils auraient peut-être pu aller là-bas, mais non, c'est un coup. Eh, au pire, il y a la maison ici. Je vais peut-être les mettre là, en fait. Hein. Ouais, je vais casser la porte là-bas. Comme ça, ils pourront pas y aller. Parce que c'est pas considéré comme une maison, vu qu'il n'y a plus de porte. Voilà, comme ça, ils vont se casser d'ici. Et ils iront dans la porte où il y a... ils iront dans la maison où il y a une porte. Il y en a une seule. Ils n'auront pas le choix que d'aller là-bas. Voilà, ça sera chiant. Ça évitera. Ah, tiens, alors du coup, le tanneur. Je m'en fous du tanneur. J'aurais préféré que ce soit lui qui crève. Enfin, qui devienne zombie. Bon, la pelle, ça peut être intéressant. Tiens, t'en as un autre, toi, t'es qui? Non, c'est le tanneur encore. Ah non, me dis pas qu'il y en a un qui m'intéressait, qui est... Ah, 35 papiers. Protection 4, super. Alors lui, il faut que je fasse gaffe à ce qu'il ne se fasse pas transformer en zombie. Ça aussi, ça peut être intéressant, la chair putréfiée pour l'émeraude. Bon, enfin bon, franchement, avec lui qui propose de l'émeraude avec 35 papiers, la canne à sucre, c'est tellement facile à faire, le papier, que franchement, c'est pas gênant du tout. Enfin là, je pourrais avoir beaucoup d'émeraude tranquille. Donc c'est assez cool. Voilà. Non, mais alors toi, tu as envie de crever, parce que s'ils tombent là... Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont cons, ces PNJ. Ah, j'ai envie de... En fait, il faudrait que je pense que je vais les enfermer. Non, honnêtement, je vais les enfermer. Parce que c'est un... Enfin, vraiment, c'est débile, quoi. Mais en fait, la prochaine fois qu'il fera nuit, ils vont tous se mettre là, et je vais enlever la porte et je vais mettre un bloc pour les empêcher de sortir. Comme ça, ils sortiront plus, parce que sinon, j'aurais peur de les paumer après. Voilà, je les aurai sous la main. Donc, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser. Parce qu'en plus, je crève de chaud, c'est une horreur, là. C'est la tête qui tourne. Donc, voilà, écoutez, c'est une petite vidéo pour vous montrer que, bah voilà, la map... escarpé, je vais m'y remettre un petit peu, je pense. Peut-être que je vous montrerai l'endroit où je vais m'installer définitivement. Donc je vais peut-être encore me rebalader, mais voyez. Ah oui, c'était là, voilà, c'est là où il y avait plein de moutons, il y a plein de poules aussi. Enfin, il y avait des poules. Ah oui, des chevaux, voilà. Poules, chevaux, araignées. Voilà, moutons. C'était assez sympa ici, mais on est un petit peu trop près du biome désert, donc ça me plaît moyen, pour être honnête. Ah, punaise, ouais, mais après, si on peut s'éloigner un petit peu, quand même. On est trop près du biome désert, ouais, ça me plaît pas trop. Ouais, pourquoi pas, mais ça ressemble un petit peu trop... Ah ouais, poule, cochon, ah non, mais il y a vraiment toutes les bestioles ici, donc au moins, je le saurais. Bah là, ça ressemble plus à une map traditionnelle, vers cet endroit-là, vous voyez. C'est pas... Voilà. Je voudrais m'installer à un endroit où on a vraiment une vue de dingue. J'ai pas fait une map comme ça pour au final m'installer dans un endroit basique qu'on peut trouver sur plein d'autres maps, quoi. Alors, c'est quoi là-bas? Ah, le biome désert, non, le biome désert, j'ai pas envie d'avoir une vue sur le biome désert. Oh bah il pleut, super. Ah, génial. D'ailleurs, le bruit de la pluie, toujours. Ah, toujours pas compris pourquoi je ne l'avais pas. J'irai peut-être plus vers là-bas, tiens, ouais, j'irai vers là-bas, faudra voir. Oh, il est énorme ça. Oh, vous avez vu l'arbre en face là? Je ferai un zoom. Il est énorme, il est super beau. On dirait presque un arbre taillé. Tout est très carré, très cubique. C'est... Ouais. Bon, je vais rentrer. Parce que... Donc, je vous laisse sur ça. J'espère que ces petites vidéos sur cette map vous plaisent. Waouh, 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 waouh. Il s'est passé un truc bizarre, là. Ils sont tous là? Ils sont tous dedans, là? Non, non, il en manque. Ils sont où, les autres? Vous pouvez pas vous mettre dedans, comme si c'était la nuit, là? Ils sont où, les autres? Ils se sont fait tuer? Oh, ils ont dû se faire tuer, ça se trouve. Il n'y a pas tout le monde là dans la... Il manque les PNJ en robe violette là. J'ai vu un zombie. Non mais... Hein? Sérieusement, c'est pas normal. J'ai mis des torches partout quoi. Bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y en a un... Eh mais descendez bande de cons. Oh là là, vous êtes pénibles. Hein. Il vient d'où ce zombie quoi? Non mais c'est pas normal. Je suis désolé, c'est de la triche. En fait, j'ai l'impression que c'est obligé dans les villages PNJ que les zombies spawnent. Vous avez bien vu, regardez toutes les torches que j'ai mis, c'est impossible que ça spawn. Oh, c'est une conspiration, voilà. Donc c'est sur cette conspiration que je vous laisse. Ah oui, d'accord, il y a même un orage.
Pas IRL, hein, mais dans le jeu. Sympa, ok. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que cette map, les vidéos sur cette map vous plaisent. Et je pense que je vous reprendrai dans un endroit que j'aurai découvert qui me plaira vraiment bien. Comme ça, ça nous permettra d'avancer un tout petit peu. Voilà. Allez, gros bisous. Ah oui, quand même.